Deuxième sortie, journal Mitan Journée pour semaine ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Tout de suite, nous démarrer avec information pour nous faire connaître le travail infrastructure à continuer dans le département Sud côté construction tronçon route Carrefour Méridien du Sislan à construction tronçon route Carrefour de Lemaniche avancé à grands pas. Lionel Jean-Louis et Hervé Pierre ont visité chantier ça pendant le week-end là. Il a présenté un compte rendu. Elie Adrien, 79 l'année, c'est une parmi divers autres citoyens qui vivent dans la commune Tobek, et spécialement Béo, qui témoignait gratitude li pour travail construction de son route Carrefour Méridien du Sisla. Elie Adrien a expliqué la situation dans la zone qu'on vit. Le travail qu'a fait là, un bon travail parce que jamais nous votre courir un mauvais travail ça fait. Depuis petit monde levé ici à notre courir un mauvais travail qu'on ça fait. On dirait nous avons bien travail là pour longer, et là nous avons ravine. Cap descendre parce que yo bravina lol vini il fait grand dégâts. D'avoir dit président on bel merci et puis pour ta continuer et ben nous satisfaction pour vous. 6.4 km déjà asphalté dans ton son route Carrefour Méridien du Sisla d'après directeur départemental sud TPTCA Cam Pierre Dukena qui ont l'autre bord déclaré construction route ça yo respecter toutes normes techniques yo. Nous gagné 6.4 km asphalte qui déjà fait déjà jusqu'à Carrefour Béo et actuellement on a arrêté 4 km pour arriver du 6. C'est l'in a préparé là, on va regarder le fini, on va faire visite à côté, on a fait terrassement, on a fait enlèvement, on a fait remblé, on a fait des blés et puis on a mis 31.5 pour avancer vers du 6. Et actuellement on a fait puge, on a fait décapage, on a retiré terre pour mettre remblé et puis pour compacter, après ça pour mettre pour couche de 20 cm nous mettre. Donc tout nom yo respecté net là, tout ça n'est pour faire nous faire tout laboratoire national là parce que c'est laboratoire national qui bourbonne le ton pour faire ça. Président convention TPTC dans Sénat, c'est la terre Hervé Foucan qui devine garder état avancement travailleux dans zone Béo, déclaré c'est une victoire pour monde qui vivent dans zone là. Sénateur Sidlan a profité de faire éloge pour le gouvernement qui prend une série d'initiatives pour permettre aux citoyens de vivre bien. Son victoire liée pour moi, mais tout, pour toute population, tout peuple qui a voté mieux, tout peuple qui a voté et l'autre monde, l'autre candidat PHTK. Et son fierté pour moi, aujourd'hui, là, pour m'apprendre dans le bureau. Ça fait un plaisir parce que je me songe le cyclone. Non? C'est moi qui devine avec un petit bout de bacolo de vine dépanner mais au là et l'homme privé moi qui est caillouté crasé tout bagaille qu'on y en a fait 500 mètres pour entrer en dedans pour nous arriver une meilleure on a pas le fait tout en dedans guirant pour nous communiquer là avec fond des blancs so, c'est des percées que nous avons fait qui bon en pile et une des percées qui fait un plaisir en pile c'est percée Saint-Grégoire. Saint-Grégoire sous lieu mystique et que c'est au pèlerinage pour te arriver en l'air et puis qu'on y en a pas même pour mon yo 4 minutes pour arriver en haut à son motocyclette. Constat pas différent pour commune Maniche. Élargissement et terrassement continue à faire sur tout son route ça qui relie Carrefour de Lemaniche là. Divers citoyens qui ont fréquenté route ça, pas de cacher contentement. Yo. Bien content à ça qu'a fait là. Je félicite le président, je félicite le gouvernement, M. Fildo tout. Moi, je suis très intéressé à le travail qu'a fait là. Amen Abdil merci, nous comptons avec ça la paix. Mais c'est le bagage, c'est pays pas grand paix. Si pays a tant paix, peut-être bien quelques bagages nous t'aoué. Surtout pour nous même dans Maniche. Bon, quand c'est premier dérapage, parce que tout président qui nous a pas conduit un travail ça. Kounya avec ça, nous félicitons président, avec tout compat, tout saf moun qui derrière lui. Série travail ça yo rentré dans 4 caravanes changement administration a mis en place pour permettre citoyens qui vivent dans commune avec section communale yo joindre plus service. Toujours dans ça qui concerne le travail, caravane changement, week-end, ça qui s'est passé là encore. Équipe TNH te fait environ dans le Grand Nord, pays à côté travail, caravane changement, a réalisé dans plusieurs communes. Population a exprimé satisfaction yo pour travail. Un reportage à Richardson Jourdan et puis Peps Jean-Baptiste. Travail dans 4 caravanes changement, pas campé dans Grand Nord, pays à. Sur route Ténèvre Gounaïve, après élargissement et tirassement, responsable TPTC yo passé dans une autre phase. Qui c'est fait canal sous toute route là une façon bout de l'eau pas crasé travail qui déjà fait sous route Ténèvre Gounaïve là après que nous commencé à construction fossé maçonné et dans début et monde la crête pour descendre vers pied cabrette et juste pour nous drainer partie route ça parce que nous connaissons sans drainage si partie route ça pas drainé parce que si n'a regardé peut-être moi crois que télévision nationale t'est venu avant
après que route la lessive en pile côté, c'est parce que normalement on fait travaux de construction de fossés maçonnés. C'est à travers ça que nous commençons aujourd'hui. Sur route Beaumont, plusieurs techniciens mobilisés avec matériel pour faire terrassement et élargissement avant pour mettre asphalte. Ces mêmes gens à Koutmon Pilboa, côté travail, ont continué dans faire élargissement et terrassement. Tout côté au asphalte est amélioré, chauffeur taxi est content, chauffeur machine est content. C'est bien, nous t'a souhaité que yo fait continuité pour les asphalte la fin de mettre. Dans quatre virées on ça, équipe TNH là, t'es ramené dans Marion pour te regarder état avancement travail barrage Marion. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Joubert Angan, exprimer qu'est content par rapport à gens travail avancé. Travail qu'a fait là, son travail qui est important pour pays. Dans le sens que mettre de l'eau à disposition de Mounio, c'est une grande préoccupation du président de la République. Là. Et le gouvernement Moïse voulait travailler pour capable faire atterrir la vision du président. Si le travail ça, il entre dans le cadre de caravane changement, qui c'est une stratégie qui vise les zones ça, il une autre image. L'autre dossier, directeur général, Archives nationales d'Haïti, Wilfried Bertrand, expliquait des démarches déjà commencé à entreprendre pour construction bâtiment archives là. D'après Wilfried Bertrand, bâtiment ça a conservé, mais moi pays a la recevoir tout document différentes institutions l'État au produit, non souci pour protéger, conserver, traiter, pour mettre à disposition chercher et puis dirigeants. Il y a un extrait dans le micro, Rachel Sefort à Clorore dans l'île Jean-Jacques. Programme bâtiment, ils sont liés à programme PGDA parce que programme PGDA va permettre nous de récupérer tout archive, ça moins dit nous qu'on flâne un peu partout. Mettez-vous en lieu qui sûr. Et là, nous avons besoin, actuellement là, nous avec le ministre culture, qui vient nous faire des bagages qui structurants. Nous connaissons le ministère de la Culture, évidemment, toujours gain. Nous faisons nos problèmes de programmes qui sont toujours là pour nous prendre en charge Rara, Carnaval, etc. C'est pas courant. Yo. Mais nous disons cette fois-ci, nous allons faire des bagailles qui sont durables et qui sont structurants. Et nous avons programme PGDA ça avec programme bâtiment, c'est des bagailles qui sont vraiment des programmes structurants pour permettre que l'État haïtien dispose de l'espace qu'il faut, de l'endroit sain qu'il faut. Pour qu'ils conservent toute mémoire au pays, tout ça nous fait comme expérience, et mettez mémoire ça à la disposition des chercheurs et des pouvoirs publics. C'est ça que nous allons faire. Bâtiment ça, nous connaissons une zone en bas de la ville après un moment de là, de désigner comme cité publique. C'est ça, il y aurait les cités administratives là, que nous voyons qu'il y a plusieurs buildings commencent à pousser déjà la donne. Et bien, c'est dans l'espace ça, nous allons contacter, et c'est des machins à faire qu'on y a là, nous allons contacter UCLBP, nous allons contacter SIAT. SIAT, c'est le comité interministériel d'aménagement du territoire, et nous allons voir avec eux qui espace qui est disponible dans la cité administrative là pour nous construire le bâtiment ça. Je te montre nous, dans le gars sous 4, je te montre nous, un îlot U. Îlot U à ce côté nous, tout 2004 là, il y a derrière de tout 2004 là. L'analyse îlot U, nous, si vous avez des dommages, comme t'as besoin pour nous dommager, institution sur îlot U, vous avez dépassé quoi pour nous faire archive là. Si je m'attends îlot U ça, nous ne pouvons pas jouer un bâtiment archive là. Donc, n'allez sous site là, sous carte là, avec eux, et puis nous mettons d'accord sur ILO M. ILO M, c'est bloc nous tout pour le changement. Finalement, c'est lui-même qui a négocié là actuellement avec le ministre des Finances, avec la DGI, pour être capable d'apporter ILO ça pour nous, permettre nous d'entrer en possession, clôturer le plus vite possible, n'espérer en 2019 la même poser première pierre là. Et entamer le programme là.
Ministère commerce et industrie dans tête collée avec Banque Interaméricaine Développement BID l'ouvre lundi 12 novembre là un atelier cap bout jeudi madia sous concurrence avec Mezi défense commerciale. Activité ça déroulé en présence fonctionnaires ministère commerce et industrie avec divers représentants dans secteur privé. Nous vous suivre un reportage avec Stéphanie Charles et puis Michel Joseph. Comment Haïti a fait face à la pratique commerce déloyal yo, défense avec Mezi défense, analyse cas défense, subvention, droit compensateur avec sauvegarde, c'est ensemble point qui tape débat dans la première journée atelier ça. Stimuler concurrence dans mitan entreprise yo, maximiser efficacité production yo, c'est ensemble j'effort ministère commerce a fait pour renforcer capacité dans ça qui gain pour à concurrence d'après ministre commerce et industrie Ronel Gilles. L'objectif de la politique de concurrence est de stimuler la concurrence entre les entreprises afin de maximiser l'efficacité de leur production, de diversifier cette production, de réaliser des économies d'échelle et de promouvoir des innovations. Elle contribue aussi à faire baisser les prix des biens et des services et à améliorer leur qualité. Nos entreprises ne peuvent devenir compétitives sur le plan local, régional et international, augmenter leurs exportations ou se défendre contre l'importation massive de biens et de moins de qualité que si elles savent respecter les règles concurrentielles. Bon côté PAL et spécialiste BIDLA, Raphaël Roulia, fait connaître yo pral établi dialogue avec gouvernement pour travailler et puis préparer au plus bien sur marché global là. L'objectif de cet atelier de notre côté, c'est pour partager ses connaissances, créer des capacités internes en Haïti, justement établir un peu de dialogue avec vous, avec le gouvernement, et dans ces matières, pour pouvoir faire mieux compétitif le secteur privé en Haïti et les préparer mieux pour l'insertion dans les marchés globaux et l'accomplissement de leurs règles internationales. Pendant des journées atelier ça, participants ont exploré qui genre secteur économique là avec instances publiques qui impliquées dans promotion développement économique pays a qui fait face à pratiques commerciales déloyales. L'autre dossier dans le journal la ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre visité lundi 12 novembre dans place Fierté dans commune Cité Soleil. Dans cadre visite ça ministre Jean-Claude Pierre chita parler avec magistrat commune Cité Soleil là et puis discuter sur une série projet l'état haïtien visé relancer dans cité a parmi eux réhabilitation place Fierté et terrain football là. John Herbie Casseus et Michel Joseph pour un reportage. Visite ça rentre dans le cadre de démarche ministre planification et coopération externe notamment pour relancer le travail de réhabilitation place Fierté dans Cité Soleil. Place publique ça qui trouvait dans le quartier Brooklyn en face commissariat dans un état déplorable côté rage fatra et glossal abtaille banda. Ministre Jean-Claude Pierre qui devine fournir garder dans quelle situation place dans fait connaître travail de réhabilitation place Fierté a dû commencer avant finissement mois novembre. Le président te promet que l'IPRAL relancer travaux réhabilitation place Fierté. Également, le président te promet l'IPRAL relancer et fini travaux terrain qui n'a cité lumière, de même projet terrain qui n'a l'into. L'into 2. Également, il y a l'école nationale Lato et puis il y a le canal Saint-Georges. C'est autant de sites sur lesquels l'État haïtien était déjà intervenu pour réhabiliter, soit pour réhabiliter ou bien pour construire. Dans le cas de terrain football, là, c'est construction. Et travaux ont été campés. Le président de la République, là, le 16 octobre, il était venu là, il était promet que les gens pour le faire reprendre avec travaux. Et bien, c'est dans le cadre de promesse, moi-même, là, je dis, pour m'annoncer solennellement que travaux ont pour commencer, notamment. Et sous place là, travaux place là, pour reprendre. Et pour arriver à l'achèvement, ni pour finir, pour inaugurer normalement, et la prépondre de la travaux ça prépondre travaux place là, travaux pour réhabilitation place là et place Fierté la prépondre le plus vite possible. Député Cité Soleil là, le maire Pierre dit il prend note de présence ministre planification en cité. Il souhaitait constat ministre en fait de commune va permettre de faire diligence pour faciliter l'autre projet de développement rivé dans commune. Visite et ministre Claudie
et je dis à la Cité Soleil, il doit porter et résultat avec ensemble problème et monde dans commune ça fait face. Avant hier nous avons visite et ministre Edwin Sport sur question terrain, nous avons un représentant ICLBP là, nous avons un représentant FIMIO là. Même parce que Jean-Ministre l'a dit, dans quelques jours, projet ça va lancer. Et j'aime de dire, si cité as gardé Jean le chaud, même parce que c'est raison pour permettre que cité a pas pu choquer Jean Lia, c'est réaliser ensemble de projets ça pour cité a. Et j'aime toujours dire, cité a fait la paix, c'est pour le cas bénéficier développement social, changement durable et puis une autre condition de vie. Dans le cadre de Viron, ça, ministre planification à coopération externe, Jean-Claude Pierre, qui te gagne avec lui, directeur ICLBPA, Clément Bédizère, qui t'a parlé avec responsable, mais resté sous les yeux, sur ensemble projet développement, yo envisagé réaliser dans la cité. Dossier éducation, Institut international pour planification éducation, en collaboration avec UNESCO, ministère éducation nationale et formation professionnelle, lancé lundi 12 novembre un atelier formation 3 jours pour divers cadres dans la direction départementale éducation. D'après responsable programme Institut international planification éducation James Logiste, formation 1 pral aider à renforcer direction départementale éducation yo pour améliorer système là en Haïti. Un reportage avec Seth Kwapaki et puis Hervé Pierre. Projet ça visé renforcer capacité direction départementale éducation dans le domaine planification, pilotage, système éducation. C'est objectif atelier formation ça qui concernait 84 dans direction départementale éducation selon spécialiste programme James Logiste. C'est un projet qui voulait accompagner ça les fonctions planification dans l'éducation, dans le ministère de l'éducation en Haïti et avec un focus sur direction départementale. Pourquoi ça? C'est parce que direction départementale a un rôle clé, c'est un rôle principal dans la planification stratégique d'éducation, pour c'est eux-mêmes qui bras ou le système là. Donc le au niveau déconcentré ça y compétences en planification existé, eh bien, mise en œuvre, accompagnement, changement qui planifie, changement qui prévoit un plan stratégique là. Pour l'éducation, l'APCAP met en œuvre beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Directeur planification dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, Yves Rabelais, expliquait qu'il n'y a pas d'informatiser tout le bureau DDEO, ça a apporté amélioration dans le système. Là. Pas gagner vraiment un travail de planification d'éducation qu'a fait au niveau de cette direction. Dans ce sens-là, on vient porter une plus-value à ministère là pour former cadre, pour outiller cadre, et bien pour bénéfice son secteur là. Et quand l'autre bail qui est important encore, c'est que on vient pour parler de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, parce que les bonne gouvernance ou privé à une école de qualité. Nous connaissons que dans pays ça, et bien toute part tout décideur, yo t'a souhaité que nous arrivions à une école de qualité côté timoun yo performant, côté gain rendement scolaire en dans l'école là. Et le temps que les enfants vont passer à l'école ne doit pas être un temps perdu. Projet planification renforcement direction départementale éducation yo a duré 3 années, des jeunes supports Union européenne. Député circonscription Kinskofla Alfredo Junior Antoine, pendant participation dans 4 émissions mise au point lundi 12 novembre 2018, là, dénoncé action ancien sénateur Noah Moïse Jean-Charles qui prend disposition pour descendre à Poblé et Oujla sous site Vetia samedi 10 novembre passé. Parlementaire a expliqué décision ça c'est en violence constitutionnelle pendant qu'il souhaitait autorité judiciaire prendre responsabilité sous dossier ça. Député Alfredo Antoine a porté plus de détails dans le micro, Jean-Serge Gignot Lindor. Comme parlementaire, nous devons de respectueux de la loi. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui faisons loi, c'est nous-mêmes qui amendons la constitution. C'est le premier monde qui doit respecter la loi, qui doit respecter la constitution. Et pas longtemps que, pendant le sénateur Moïse Jean-Charles, il était en fonction, il était un amendement au niveau constitution. S'il pas de blé couleur bleu et rouge là, c'était moment idéal pour qu'il te change comme sénateur. Mm-hmm. Dans l'amendement qui était gagné, nous connaissons qu'il y a amendement, c'était amendé. Et de véritables articles dans la Constitution, surtout qui pourraient consolider au pouvoir. À l'époque, c'était pouvoir Moïse Jean-Charles. Et comme sénateur, mais c'était la présidence, c'est même équipe-là qui était montée, qui était au pouvoir, c'est le président Prival. Il a fait un amendement sur mesure parce que il connaît que dans l'élection,
que président qui pral baille élection qui pral baille Joseph Michel Martelly comme président, et c'est eux même qui t'a remporté qui ça, c'est constitution ça qui dit que il y a c'est trois pouvoirs qui cap mettre tête ensemble pour mettre les trois et institutions les plus les fondements et pays qui c'est la Cour cassation et CSPJ qui c'est Conseil constitutionnel, qui c'est Conseil électoral. C'était trois pouvoirs qui a construit toute institution indépendante qui était gagnée. Donc c'est amendement ça, c'était un amendement sur mesure parce que à l'époque monsieur qui était au pouvoir connaît que c'est eux-mêmes qui t'appelle remporter élection. Donc renouveler tête sur tes lits. Renouveler tête sur et c'est même amendement ça que sénateur Maurice Jean-Charles à l'époque était un artisan de amendement, il était participé et il était voté. Donc je pensais que pour le changer et drapeau qui article 2 constitution normalement loi et article 3 et normalement loi, il dit comment qui couleur drapeau a et les mêmes by détails sur et comment que yo composé drapeau bleu rouge deux bandes d'étoffe de même mesure, OK, et qui fait drapeau et là dedans nous galguer armoirie de la République qui expliquait dans quel contexte que nous gagne drapeau. C'est pas n'importe et au monde qui a pensé que c'est deux mots sur toile, mais non, c'est un symbolisme qui dit que et territoire ça que n'a vivant l'indépendant et mais qu'il est ta qui la donne. À noter que la constitution américaine non prévoit quel que soit côté dans le monde là qui gon territoire qui vide depuis yo hissé drapeau seulement sous lui li appartenu à l'État américain. Bon, là, donc, pour équipe et puis de Saline, c'est une façon pour traduire révolte par rapport à ça qui passe dans le pays, le fait que décider prendre une faire action comme ça et sous civilisation. Non, non, leur besoin de faire révolte, c'est pas une révolte. Est-ce que et, si je suis dans le nord, Kounia, c'est même institution l'État qui est là, mon délégué qui représente le président de la République, c'est toute institution de la République yo, qui là-bas, et institution républicaine yo gen tribunal. Est-ce que petite Dessalines l'elfin pose zaxa c'est li gen contrôle territoire, c'est l'or ici drapeau noir, vous avez dit que c'est vous même qui gen contrôle territoire espace que côté. Donc même pas pral éterniser sur profanation de symbolisme au pays, le drapeau notre bicolore, et nous connaît qui c'est lui même qui l'a constitution a pas amendé. Donc nous gen bleu et rouge. Donc si on monde un parti politique ou voulait changer de drapeau ou pral dans l'élection et ou pral faire un projet d'amendement qui a déposé au niveau parlement, et si que yo estimé dans un moment que li valable, il y a modifié, il y a pas amendé constitution et ou mettre noir et rouge là. Mais c'est pas al de manière anarchique que wale cavalier et wale m'connais que axa que li réprimandé par la loi, OK. Donc que la justice lui-même li agit dans sens ça, et le ça il ne prend aucune couleur politique pour nous dire que c'est parce que c'est un leader politique. C'est un leader politique. Leader politique là, il régit par la loi, il justiciable tout. Donc c'est la loi qui régit une société. Donc nous pas vivre dans une société et cannibale que la loi de jeu que chaque monde fait loi par eux. Donc nous en République d'Haïti, même dans, et pour le sénateur Maurice Jean-Charles aller dans toute mission diplomatique que nous avons avec pays avec à l'étranger, dans tout pays net que nous avons représentation nous et dans ambassade, dans consulat, au chef de mission à lisser drapeau noir et rouge là. Toujours même dossier ça, député circonscription Tomaso Apraï Cyprien, député circonscription Grecia Antonio Verriquin, député circonscription Kay Ilavache La Chovirobas, et député de Dunan Baudelaire Noël Saint dénoncé décision ancien sénateur Noa Moïse Jean-Charles Prin pour descendre drapeau bleu et rouge là pour monter en l'autre drapeau noir et rouge dans vêtier. Quatre parlementaires ont demandé autorité l'État pour responsabilité devant action ça, yo considéré comme malhonnête qui pin ni selon la loi. Nous extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Comment expliquer que yon moun ki di
Mais ça nous établit pour diriger famille, pour diriger société. Moi-même, lui-même, lui aspire pour venir diriger même société qui a fonctionné sous principe ça. Et puis c'est lui-même qui est premier violateur. Quel exemple? Et à qui ça nous capable espérer demain? On supposait un instant que, et comme bon journaliste qui posait une question matin pour dire, qui dit, est-ce que c'était X ou Y qui t'a fait un pareil acte, c'est qui ça le taillé? C'est la pénitentiaire nationale. On t'a répété pour lui-même. Eh bien, si action ça, n'importe l'autre monde a fait, l'État, chef d'État, c'est la pénitentiaire nationale, on n'a pas même besoin de lui-même, lui tendre la police, arrêter la justice, inviter par devant et un tribunal, il a supposé mener tête lui, et pénitentiaire, parce que c'est un crime de haute trahison que nous avons traité lui, parce que pareil acte, pas capable et pas d'autorité impuni. Dans le code pénal là, qui ça prévoit le profane drapeau en pays, qui conséquence les gagner et puis appliquer la loi directement. On leader capable revendiquer, il est capable de prendre monde métabel pour faire revendication, mais faut revendication juste. Il faut respecter la loi, il faut respecter la continuité de l'État, il faut respecter les institutions. Même son monde, moi pas pour un monde lever les mains comme un seul messie pour venir sauver pays là. Respecter institution monsieur, parce que si nous respectons l'état de droit, pays a cap on l'autre cap ba yo ka changer. Ça n'a pas observé jodi à opposition, ça li pour opposition constructive, parce que une opposition qui constructive c'est la gain des bagages gouvernement en place à ta doit faire pas faire opposition li même li fait pour toute société a ouais li fait mieux et l'a bail pouvoir encore pour choisir pour bal pouvoir. Jodi à nous connaît nous non démocratie, nous connaît pays a été divisé en trois républiques. Côté te gagné le nord, le sud et l'ouest, mais nous pas dans période ça encore, c'est période révolue. Moi même pas j'ai demandé pour arrêter Maurice Jean-Charles Kounia, parce que dans le moment où est là, si Maurice Jean-Charles arrêté laisse ça, malgré ça le faire son zac malhonnête qui extrêmement grave, mais on pral voir des monde qui pas comprendre ça crée les pays, qui pas comprendre ça crée les méthodes, qui pral tout mettre ensemble avec lui et puis pour créer une situation aggravante. Comme homme d'État, sénateur Maurice, pour l'assumer, ça le fait, hein, et politiquement, et vis-à-vis de la loi. Mais nous-mêmes, comme peuple, nous-mêmes, comme nation, nous répondons de qui ça nous voulait. Est-ce qu'il suffit que un leader, pour charismatique soit-il, qu'à seulement faire une action, la fin pour tout le pays, hein, ébranler, j'en ébranler, hein, font que 100 fois nous, pour nous recommander ça qui était, pour nous sauver de sociétés, ça, pour les secteurs sains de la société, chita ensemble, dans un dialogue pressé, pour nous poser base en l'autre réflexion, pour nous connaître qui s'en a fait avec le pays, ça, et qui forme l'État américain, qui pour mener la société, nous, pour nous mener l'aller. L'autre dossier, Journal Union, mettait dehors fin mois octobre, là, l'autre édition en format papier qui portait numéro 007. Dans l'édition ça, qui est en col sous 24 pages, rédaction en fait un viréron sous divers sujets, actualités politiques, sportives et culturelles qui marquent mois octobre là, à première semaine novembre là. Parmi les sujets, ça y a un article sous dossier Petro-Caribéa, un article sous accompagnement, premier ministre là, prévoit bail système judiciaire, et puis article sous festival. Festival 4 chemins avec première édition Guédé Fesla. Après un coup de pause, restez branchés, Naptoune. Dans sport, Ligue des Nations de la CONCACAF, troisième journée, Haïti en déplacement la CAI Nicaragua, samedi 17 novembre 2018. À l'étranger, championnat d'Espagne, FC Barcelone tombé la CAILI 3-4 face à Betis de Séville. Voilà, amis téléspectateurs, journal live dans Boutli. Nous remercions pour attention et fidélité. Nous invitons à rester branchés à la télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde.